Hey, yo les gilets, j'espère que vous allez bien, comment ça va super bien. Et aujourd'hui, petite vidéo extrêmement rapide, je m'excuse, elle n'est pas construite, elle n'est pas quoi que ce soit, mais je trouve ça trop cool de découvrir ça avec vous. Je viens d'acheter ça sur le marketplace de Facebook, donc on le voit, il y a un Monster Reborn ici, et c'est plus ou moins la seule chose que je sais de ce qu'il cela contient. J'ai acheté ça sur le marketplace de Facebook, donc c'était une maman qui vendait ça pour son fils, et elle vendait la boîte 5 euros. Je l'appelle, j'étais en fait juste à côté en rendez-vous, donc je l'appelle, je fais, ben voilà, je suis intéressé. Je fais, par contre, j'ai que 4 euros en monnaie, elle me fait, c'est pas grave, mon fils il s'en fout, c'est juste pour faire de la place et pour s'acheter des trucs sur Fortnite, je crois. Du coup, j'y vais et bah, je vois la boîte. Déjà, elle est très très cool la boîte, qu'on soit d'accord. Et surtout, je l'ouvre, je fais exactement ce que je fais tout de suite. Enfin, déjà, la boîte est très très dure, elle est un peu abîmée. Et en fait, la première carte que je vois à l'intérieur, c'est un Monster Reborn. La boîte n'est pas trop remplie, je sais pas si vous voyez, c'est sûrement des cartes un peu abîmées. Mais je n'ai pas regardé du tout le reste des cartes. Je me suis dit pour 4 euros, en fait, c'est sûrement le prix plus ou moins de la boîte que l'on pourrait retrouver sur Card Market, choses comme ça. Je me dis, si un Monster Reborn, c'est peut-être la seule carte cool, mais bon, je vais tenter ma chance. Donc je me suis dit que j'allais découvrir ça avec vous en vidéo. C'est un concept que je pourrais sûrement pas faire ou pas refaire facilement, puisque du coup ça implique de trouver des cartes, etc. Des boîtes pas trop chères, machin, enfin c'est pas toujours facile. Mais voilà, dites-moi quand même dans les commentaires si ça vous plaît. Ce que je vous invite, c'est de passer sur le deuxième écran et on va le deuxième téléphone, le deuxième, ouais, bon, bref, vous avez compris. Et on regarde un petit peu tout ça ensemble. Ok, donc les cartes, on voit déjà des cartes qui sont abîmées, malheureusement. Elle est explosée, hein. Oh non, on appelle de les tromper. Les boules. Ok, donc il y a un beau paquet. J'ai vraiment aucune idée de ce que ça contient. Je les ai pas regardés. J'ai vu Monster Reborn. Bon, on va regarder. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre ici, celles que je trouve cool. Ok, avec des caméras, c'est très très cool. Ça, c'est très très cool aussi. Ça, c'est plutôt cool dans les decks rétro. Ok, ça, c'est plutôt sympa. Ok. De la grenouille. Force Arcane. Alors, je vais pas la mettre de côté, mais c'est cool pour mon deck Force Arcane. Ok. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais c'est plutôt cool. HA03, ça doit être assez vieux, ça, mine de rien. FET, ça, c'est ce qui est sûr, c'est que c'est très très vieux. Bon, il y a pas mal de cartes à l'envers. J'ai vraiment pas ouvert la boîte, donc du coup, les cartes sont totalement en vrac à l'intérieur. Le samouraï, soldat de feu, missile chasseur, lézard du grand vent, fracas. Ok. J'ai vraiment des problèmes de macro en ce moment. Le kangourou champ, ça c'est plutôt cool. Tomate mystique, c'est la base à l'époque. Ok. Tourbillon qui est plutôt cool. Le terraformation qui fait toujours plaisir. J'en ai marre de retourner le paquet. Le typhon qui est toujours très très fort, qu'on peut utiliser tout le temps aujourd'hui. Waouh, mais c'est fou. Le paquet il est vraiment full à l'envers quoi. C'est quoi, pas trop m'attarder sur les cartes à l'envers. Je posais ce paquet là déjà. Le droit d'ânesse qui peut être très très fort. Cet outil du bandit, macro s'il te plaît, merci. Oh, les boules, il est défoncé. On a pas mal de cartes très rétro. Et qui dit, oh, stylé, combat en présence de l'ampleur. Bah écoute, oui, trap, c'est pas mal. Rugissement menaçant à nouveau, stylé. Pas mal de vieilles cartes, je me dis peut-être que dans le lot, il y a peut-être une petite pépite, une ultimate, un héros de la destinée ou un héros élémentaire compliqué à choper, ce genre de cartes quoi, ce genre de truc assez cool. Je vois du héros élémentaire en plus, donc ça c'est plutôt sympa. Carte en anglais. Ça c'est très fort sur Duel Links. Symbole de voix, réincarnation, contact, conversion. Ok, il reste quand même pas mal de cartes encore à l'intérieur. Oh! Oh, alors ça, c'est très très cool. L'effusion des ténèbres, c'est ultra cool. Vortex soudroyant, double invocation, épée bambou d'or. Ok, bah écoute, tout ce paquet-là, je vais les mettre ici parce que c'est vraiment trop cool. Bon, il y a des cartes qui sont très abîmées malheureusement. Après, faut se le rappeler, hein. J'ai payé le paquet 4 euros. Pas non plus 4 euros avec la tinbox, hein. Encore un vortex foudroyant, en violent orage, ok, bah écoute, révoque fusion, en rare, ok. Ok, encore un vortex foudroyant. Oh, encore un Monster Reborn, bah écoute, deux Monster Reborn, c'est pas dégueulasse, hein, qu'on soit d'accord. Je vois des cartes encore très très cool ici, puisque j'ai vu un guerrier réincarné, épée révélatrice, un bouc émissaire en SDJ, et en bon état en plus, moi il est en anglais malheureusement, mais... C'est pas mal. Nouveau Néos, c'est pas dégueu. Bon, à mon avis, on n'aura pas d'ultimate. Hein. À mon avis. Mais bon, on peut pas tout espérer non plus. Franchement, 4 euros, si je sors d'une ultimate, on était un peu fumé. Mais on n'a pas fini. Il y a encore de l'espoir. On sait jamais. Fissure, très très fort à l'époque. Charge intrépide. Téléportation. Tornade géante, qui est très très cool.
Contrôle cérébral qui est très très cool, Royaume de lumière et Turbo Synchro. Ah, il reste encore des cartes, pardon, j'allais dire c'est fini, mais non, il reste encore des cartes. Tac. Rien de ouf, rien de ouf. Bibliothèque magique, ça c'est ça où je prends tous les jours. Et à l'intérieur, il reste quoi? Il reste un tapis ultra basique, même pas déballé, on va pas s'embêter. Et du coup, quand même, dans le lot, à 4€, hein, on a quand même eu un paquet de cartes qui est comme celui-ci. Et à l'intérieur, on a eu des cartes pas dégueu. Enfin, c'est pas ouf, mais c'est pas dégueu non plus, quoi. Je vous les passe très rapidement. Enfin, le scapegoat est pas mal du tout, quand même. Hein. C'est la seule brillante, je crois, qu'on a eu qui était assez sympa. Non, il y a Fusion des Ténèbres qu'on a eu aussi qui était sympa. Double invocation Bambou d'or, ça c'est vraiment très très cool. Ça aussi, c'est super cool. Mine de rien, et puis le reste, bon, c'est pour les decks un peu fun, mais voilà. C'est une vidéo très rapide, je pense que ça durera genre 5 minutes au montage, mais j'espère que ça vous a plu. C'était, voilà, c'était pour faire ça avec vous. J'ai pas allumé le compteur d'abonnés parce que je sais pas du tout quand est-ce que je pourrai publier cette vidéo. Je la publierai sûrement un jour où j'ai pas le temps de faire une autre vidéo pour proposer 2 vidéos par semaine, comme d'habitude. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner, comme d'habitude, le petit pouce en l'air. Et puis dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous aviez déjà trouvé ce genre de lot. Et puis voilà, prenez soin de vous les potes, faites de mon duel et collection de cartes. Et surtout à bientôt. Allez, ciao !